y a une secousse encore là, j'ai senti une secousse de tremblement de terre. Il est quelle heure? Donc là il est 2h. Non, il est 4h28. Il est 4h28 et on est le samedi 17 juin. Il y a eu une secousse vite fait et je me suis réveillé juste avant. C'est trop bizarre, tu vois. Et j'ai senti aussi des vibrations un peu après. Mais ça continue. J'ai l'impression qu'il y a des vibrations encore, je te jure. Ça se trouve, l'immeuble va s'effondrer, tu vois. Je suis dégoûté, tu vois. Putain. Il s'est fissuré un peu, l'immeuble. Il s'est fissuré lors de la première. Mais il y a des fissures au niveau des supports de volets, là. Tu vois, je regardais ça et je regardais des trucs tremblements de terre au Japon là en 2011, un truc comme ça là. Je les regardais, j'ai fait putain, mais maintenant c'est avant, je voyais ça et c'est un truc de fou quoi, tu vois. Eux, le tremblement de terre, il dure pendant trop longtemps, ça fait comme ça, tu vois. Nous, c'est juste des petites secousses comme ça, je fais, mais c'est un truc de fou, putain. Il y a ton immeuble qui bouge comme ça, tu vois. Tu sais que l'immeuble, c'est de la merde. Tu sais que c'est de la merde, le truc. C'est, tu vois, le propriétaire, il y a une fuite de toit. Le propriétaire, là, il répare pas la fuite de toit. Ça fait des années. J'ai des bassines chez moi, tu vois. J'ai des bassines. Et, putain, toutes mes affaires, elles vont se retrouver en bas chez les voisins, tu vois. Je suis dégoûté. Je vais voir qu'est-ce qu'ils disent à la télé, tu vois.